Salut, bienvenue au de Podcast, euh, aujourd'hui je suis avec mon bro Joël, puis on accueille euh, la charmante Christina Richard. Salut, salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être là, merci pour l'invitation les gars. De rien. Fait que, euh, on va parler de dating, mais en premier, euh, Christina... Euh D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton statut relationnel? Parle-nous de ça. <laughs> je me demande si je suis célibataire ou si je suis seule. Je me pose ah. la question. Il y a une différence entre les deux, c'est sûr. Euh, dans le fond, je viens d'où? Je viens de la Gaspésie. Je suis originaire de la Gaspésie. J'ai déménagé beaucoup trop de fois dans ma vie. J'ai 34 ans, puis je pense que j'ai déménagé 37 fois. J'ai habité à différents endroits Côte-Nord, Nouveau-Brunswick, Gaspésie encore, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bref, je me suis promenée vraiment beaucoup, puis le Mexique aussi. Puis euh, là, présentement, j'habite sur la rive sud de Montréal. Je suis revenue du Mexique cet été, le 3 juillet dernier. Puis euh, de retour à mes anciens amours. Là, rive sud de Montréal, nouveau secteur, nouvel endroit. Je ne connais pas grand monde non plus. Tes anciens que... amours, c'est la rive sud. Tu préfères rive -Sud la rive sud la rive nord? c'est difficile à dire. Parce que rive sud, j'ai été là, tu sais, mettons, familiale Avec okay. mes parents, on a déjà habité là. Mes amis de fin de secondaire étaient là aussi. Là, finalement, tout le monde s'est dispersé puis est rendu un peu partout. Puis, t'as-tu été au Mexique euh, par but de t'en aller du Québec, maintenant tu voulais aller voir qu ce qui se passait? Euh, C'était quoi les raisons pourquoi as le été au c'est quand parti au Mexique? Je suis partie deux semaines avant qu'ils décident de fermer les lignes pour les gens qui étaient non-vax. Ouais. Euh, euh, ouais. Non-potion magiquisée, pour être YouTube <laughs> sensitive. Ouais, c'est ça, YouTube sensitive. Fait que, dans le fond, euh, je, me, je suis partie en état de panique. Je dirais que ça a été vraiment plus le fait que j'ai eu l'impression de me sauver. Parce que j'aime voyager, puis j'adorais aller au Mexique, puis tout ça. Puis après y avoir été plusieurs fois, je me disais tout le temps, l'hiver prochain, l'hiver prochain, l'hiver prochain, c'est sûr que je m'en vais, c'est sûr que je m'en vais. Puis là, ça a donné le kick un peu. C'est ça. J'ai levé les feux, je ne me suis pas posé euh, mille et une mmh. questions. Ça a été vraiment comme, OK, parfait, je le fais. Je n'ai pas envie d'attendre de vivre cette vie-là, puis de m'autoriser, mettons, à partir un 3-4 mois, mettons, puis d'attendre d'être à retrait. Je ne sais même pas si je vais me rendre là, tu sais. Fait que j'ai décidé de me, me retraiter avant le temps, puis de juste sacrer mon camp. Puis finalement, un 3-4 mois a viré en presque deux ans. Wow! Quand même deux ans. Ouais, puis exactly. qu'est-ce qui a fait que tu es revenue ici? Euh... Je suis revenue, dans le fond, pour plusieurs raisons. Il y en a une d'entre elles, tu sais, moi je suis partie toute seule avec mon chien. Il y a eu beaucoup de choses aussi. Je suis partie, euh, j'étais en couple à ce moment-là, ça faisait 4 ans et demi qu'on était en couple. T'es-tu parti avec ton ex là-bas? Non, je suis partie toute seule. Ah, a, il, ok, a... donc tu as quitté ton ex, pour sa, ça faisait partie du, euh, du move. Là. Il devait, dans le fond, il était supposé de venir me trouver, c'était ça le plan initialement, il était comme ok, je vais venir te trouver un premier trois semaines, puis plus tard peut-être que je vais venir te rejoindre, puis finalement on s'est rendu compte après plusieurs semaines qu'il n'y avait pas l'intention de venir, puis finalement moi je n'avais pas l'intention de rentrer. Fait que la, la coupure des corps était déjà faite là, dans le sens euh, physique c'était déjà fait fait qu'il restait plus comme les liens émotionnels puis tout ça on, on a passé à travers bien des choses donc clinique de fertilité pendant trois ans et demi fait qu'on avait comme un gros bagage mettons ensemble j'étais ah comme ok je suis plus capable vous aviez des vous essayez de concevoir puis ah. est-ce qu'il y en a un des deux qui était moins fertile que l'autre non je ne dirais pas ça on a passé tous les tests puis je pense que c'est peut-être un problème de compatibilité ouais, mettons bien, entre en compatibilité. deux personnes fait que lui, la... lui, il l'avait eu, la potion magique. J'imagine que non. Ouais. c'est difficile de. <laughs> ouais, c'est difficile de. Tu sais, malgré qu'il y a des gens que, qui l'ont eu, qui n'ont pas eu ce genre de symptômes là, mais tu moi j'ai, j'en ai connu des filles, tu sais, période après cette potion magique là. Ouais. L'entendre euh, aussi. Ouais. Fait que, t'sais, ça c'est, c'est pour ça que je posais la question, mais c'est pas ça des fois peut-être ouais. incompatibilité incompatibilité puis euh, je pense bien des affaires puis tu sais j'étais rendu au point de commencer l'incinération de toutes les affaires puis je me rappelle j'étais chez nous j'avais toutes les hormones sur la table, puis j'étais comme, je peux pas, je peux juste pas, je trouve pas ça humain, je trouve ça contre-nature de faire ça. Bon, je respecte tous les gens qui le font, tu sais, puis je laissais à quel point c'est décevant mois après mois que, genre, si encore dans ma semaine, je C'était quoi quand les même hormones pas... question? Ah, oh, je m'en rappelle même pas, mais j'avais ça sur ma ouais. table, puis euh, j'étais juste. Tu me voyais pas. Tu as déjà fait de la compétition toi ouais. si je, dans, pas en bodybuilding, c'était quoi la catégorie Moi j'étais woman's physique. Woman's physique là-dedans il y avait-tu des produits qui changeaient tes hormones Ben oui. Ben oui. Ben oui. Fait que tu étais déjà en, la numéro 2 Tu étais déjà consciente aussi, un petit peu tu sais, de ça. Ça fait quoi changer tes hormones Ben absolument. Fait que okay. j'étais déjà consciente justement de ça puis d'aller resetter ton système endocrinien puis ben oui. euh, les, les mots de swing. Tu as déjà sûrement perdu tes ça. périodes pendant un certain... Ben oui, pendant presque de deux ans. C'est ça, c'est ça. Tu n'es pas la seule qui me dit ça en ben passant. Non. Il y a beaucoup de monde, de, des femmes qui essaient des certains produits, leur coach dit « Ah, ça a été l'affaire Anna Varsy, ça. » Ça foque la... Ça que oh, ouais, tes hormones, ça que ton cycle menstruel, ça que plein d'enfants. Ben, mais ce n'est pas juste les produits. C'est qu'à un certain moment donné, c'est que ton pourcentage de gras est tellement faible que ton corps, c'est sa protection pour lui oui. parce que tu n'as pas assez de gras pour être capable de subvenir aux besoins oui, de, de faire un enfant. Mm -hmm. fait que tu peux pas porter la vie si genre tu es en mode survie en permanence Est-ce que mettons euh, parce que tu as cette expérience là puis tu as probablement des connaissances qui ont assez des produits aussi dans le ouais. monde dans les, dans les, les femmes, est-ce que ça te met plus dans une énergie comme masculine Absolument Absolument Tu es dans le es dans le doing en permanence là y a pas compétition Ouais. compétition, t'es goal-getter, t'sais, be proud but never satisfied. C'est oui. toujours ça qui ressort en permanence. Fait que t'es en compétition contre les autres, mais contre toi-même aussi. Ouais. Puis je me suis rendu compte après que j'ai voulu sortir du monde de compétition, parce que si je suis pas compétitive, <laughs> je suis compétitive, mettons, contre moi-même. Okay. Je vais être très compétitive à me fixer des objectifs, à vouloir les atteindre, mais un, un truc compétitionnel, individuel, contre tout le monde, je, non. Non. J'aimais pas, pas ce feeling-là. Puis je me rappelle, j'avais pas confiance en moi à l'époque. J'étais jeune, j'étais début vingtaine. tout ça, je commençais dans la vie. Je voyais une fille qui était dans ma catégorie au gym. J'étais comme, elle va me battre. Euh, ouais, ouais, elle va gagner. Elle va être meilleure que moi. finalement, je me classais super bien. Ça n'avait pas rapport. Première compétition, première. Provinciale, deuxième. Puis Mais il y a ça... aussi que dans cet univers-là, parce que moi aussi, j'en fais partie. J'ai fait une compétition. Puis on, on fait de la bigorexie. On se regarde dans le miroir et on pense qu'on est moins que ce qu'on est. Mm -hmm. C'est sûr tu vas regarder quelqu'un contre qui tu vas compétitionner, ça va être un tabarnak si je suis pas rendu là. Puis finalement, ben, tu le bosses sur stage. Tu sais. ouais. Parce que tu te vois et tu penses vraiment que tu es moins que ça. C'est comme de l'anorexie. Es... C'est un peu de l'anorexie. Une autre ouais, ouais. Ouais, mais Moi, j'ai lâché euh, le bodybuilding pour ça, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'autres raisons derrière ça. Euh, tu te fais juste cracher ton argent dans la poubelle, dans le fond. Là. Ah, ça coûte une fortune. Là. Ah, ah, ouais. Écoute, euh, la, la... Puis pour les femmes, le bikini. Je ne sais pas si tu sais là, combien ça coûte de faire faire un fucking bikini par chance que j'avais une de mes amies qui, qui en faisait. Pis que... Le maillot en tant que tel. Le, le maillot, où tu peux payer 2-3 000 C'est des soirs off là-dessus. Tu t'en vas de te faire straighten, de te faire faire les cheveux, de te faire faire le maquillage. Tu arrives à la scène. Tous ces mois-là, ces années de lunch, de privation, de c'est un, un beau sport, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est quoi les. Comme vous deux, vous êtes là-dedans, puis moi, je suis un petit peu moins dans ce genre de sport compétitif là, au niveau du bodybuilding. C'est quoi les. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le why? C'est quoi qu'il y a au bout de toutes ces efforts-là? Ben, moi, je vais parler pour moi, puis après ça, je vais te laisser parler. Ben, euh, moi, dans le fond, pourquoi j'ai commencé ça, c'est que j'avais besoin de discipline dans ma vie. Ben, quand j'ai commencé vraiment le bodybuilding, c'était à cause d'une rupture. Là. J'étais comme bon, quand je vais me remettre en shape puis tout ça, puis c'était comme tu sais. Au début, c'était un peu de la vengeance, là, mais finalement, je voulais pas faire de, de compétition, mais quand j'ai pogné la piqûre, je me suis rendu compte que j'avais une bonne génétique pour ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais un meilleur work effect, puis une meilleure discipline que tout le monde comme, OK, Peut-être je suis fait pour ça. Puis ça a juste fait pour moi, man. J'étais plus fort que tout le monde, je prenais plus de masse facilement que tout le monde. J'étais plus discipliné, constant. Puis ce que ça l'a fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire de compétitions, mais ce que ça a vraiment fait, c'est que dans toutes les sphères de ma vie, je suis plus discipliné. Je suis dans toutes les sphères de ma vie, je suis plus constant. J'ai une meilleure confiance de moi. J'ai plus d'énergie aussi. Fait moi, je conseille ça à quelqu'un qui est justement extrémiste, parce que moi, je suis une personne extrémiste, quelqu'un qui peut avoir des addictions, drogue, alcool, puis tout ça. Ou Et qui quoi... est juste en manque un oui, peu d'addiction, pour le but Faisant une, peut-être même deux compétitions là. Puis si c'est. tu sais, ça, ça va te remettre vraiment, ça va te donner une addiction. C'est sûr que Vu veux, veux pas faire de la compétition. Si t'en fais souvent, là, que j'en connais des gars qui en font 4-5 par année, là, ça c'est dommageable pour ta santé. 100%. Mais, mais sans, si t'en fais une, ouais, deux. Mais sans ouais. faire de la compétition, juste quelqu'un, mettons, qui se cherche un peu d'envie, qui est démotivé, qui n'a pas d'énergie, puis qui s'entraîne pas, juste se dire, hey bro. Va t'entraîner sans faire de la compétition. Comment fait, faire aller au gym? <laughs> Tout le monde devrait savoir. Ouais, mais trouve-toi un accountability partner. De ouais. trouver quelqu'un que, à qui tu vas si pouvoir être redevable. Ouais, si tu pas capable d'avoir si la capable discipline toi-même. Toi exact. Mais après ça, c'est les gens disent souvent Ah, moi, je suis pas motivé, fait que je peux pas aller au gym. Non, non. Es, c'est parce que tu vas pas au gym que tu es pas motivé. Right? Hey, moi, ouais, ce ouais. que je leur dis tout le temps, c'est que c'est jamais la motivation qui va te sortir de chez vous. Là, la non. motivation non, est éphémère, puis c'est une hostie bitch. Ben Elle va être là souvent, la motivation, quand tu vas avoir fini d'exécuter ce que tu avais à faire. You have to do what you have to do. Fait une fois que tu as fini de le faire, là, tu es motivé. Moi, chaque fois que je sors du gym, je suis fucking de motivé. Je suis comme, yes, ça fait du bien, j'ai hâte à demain. Ouais. Et là, ma motivation, moi, mais motivé. jamais avant que je. suis motivé tente. la moitié du temps à l'autre gym. Il y a des fois que ça me tente carrément pas, mais je vais pareil. C'est la ça, discipline le but, qui tient. Ben, ouais, ouais, c'est ouais. pas la motivation. Parce que tu les fait... résultats dans la tête, puis c'est là-dessus que tu focus. Tu ben, ouais. hein. fais de jour ou de soir? tu vas toujours au jour le matin? Ouais. Euh, moi, je suis vraiment plus du type à y aller. Mettons, le matin, je commence ma journée ah, comme best. ça, le soir, tu sais, je peux comme. Puis ça relève après ça, tu peux faire tes affaires. Ben, tu as de l'énergie pour ben le reste oui, de ben ta oui, journée. Ben oui. Le truc, par exemple, c'est que là, vu que je faisais le 75 Hard Challenge, j'avais deux entraînements par jour à faire de 45 minutes. Mais ça dont va un falloir des tu deux. que tu nous expliques c'est quoi. Oui, donc un ouais. des deux qui devait être absolument dehors à l'extérieur okay. pour 45 minutes. Fait que je, je commençais ma journée, mettons, avec une marche ou un jogging de 45 minutes. Mm -hmm. Puis là, je partais avec mon chien, fait que je laissais que pour lui, ben, ça le brûlait pour le reste de la journée si après ça, il fallait que je parte pour la journée, tu sais. Okay. Puis là, ben, j'allais au gym en fin de journée. Et ta Il fallait tout le temps que j'aille mon stock de gym dans l'auto, sinon, ça. S'il fallait que je rentre chez nous, là. Qu'il y ait le moindre obstacle. obstacle, là, avant d'y ouais, aller. De se simplifier la vie au maximum. Mais moi, je suis all for that, que, en fait, tout le monde devrait s'entraîner, que ce soit une femme, ou un homme, <laughs> transgenre, whatever. Tout le monde devrait s'entraîner pour avoir une certaine un discipline. Un homme, une femme ou les. Par contre, de... où est-ce que, est que je remarque souvent des problèmes? parce que je parle avec beaucoup de bodybuilders, c'est que les bodybuilders veulent de moins en moins sortir avec des filles qui font de la compétition en bikini puis tout ça parce que tu sais, c'est les bodybuilders sont tout le stock, fait ils ont beaucoup plus de testostérone que monsieur et madame tout le monde, fait que c'est sûr qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont très très masculins. Puis là ben, tu sors avec une fille que, qui est, très, qui est masculine. très masculine aussi, fait que ça, ça finit Justement, par que t as, t as tu déjà sorti avec un bodybuilder Ben Ouais. Bon, conte-nous ben oui. ça. Conte -nous ça déjà... un peu, c'était quoi le type de relation? Hein? Qu que ça donnait, deux bodybuilders ensemble? Deux bodybuilders ensemble, je te dirais que c'était le fun pour s'encourager quand venait le temps des compétitions, mais autre que ça, c'était assez difficile parce que justement, tu es comme. Ouais, parce que tu es plus dans ton énergie masculine aussi que lui est dans son énergie masculine. Fait que comme les deux veulent prendre de la place. Ça euh, crée beaucoup de chicanes, beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits puis honnêtement, quand tu prends des stéroïdes étant une femme, autant que sur internet tu vas lire puis ça va dire OK, tel produit mettons increases libido, puis finalement c'est un est de field parce que finalement tu genre plus de libido, oui, c'est de la crise de ouais. merde fait qu'il y a tout le temps des conflits puis lui il était tellement ouais. sur le que genre je me réveillais à nuit parce que le, le lit brassait, man, il était en train de se crasser à côté de moi, j'étais comme... <laughs> <laughs> C'était vraiment oh, étrange. Ma elle l'a trouvé drôle, celle-là. If <laughs> no, you know, you hein? know. <laughs> She knows. Ouais. Mais, mais toi, est-ce que ça faisait un peu le même effet? Fait que pour lui, il augmentait sa libido, mais... Ah, Pas moi, ça toi. me l'a cassé, mais rien plus qu'il y en avait, ouais. moi, j'en avais. C'était comme... Ça finit par te taper ses nerfs à un moment donné, fait que c'est comme... C'est très conflictuel. Ah mais, mais si tu que, ça... quand t'es ça à la test, là, man, là, c'est pour vrai, c'est deux, trois fois par jour, le minimum. Là. Hmm. Sinon, tu vas fou, fou. C'est drôle que ça fasse pas le même effet pour les femmes. En fait, je ne suis pas surpris, mais c'est quand même drôle. Que ouais. le, le même produit le même type de produit pour un homme, ouais. ça va lui donner ultra envie. Puis pour une femme, ça lui coupe complètement. Il faut, faut faire attention parce que les gars en prep, par exemple, ils n'ont plus de libido. Là. Moi, je te, moi, je te parle de off-season. Un gars qui est, euh, est off-season, qui mange beaucoup, qui fait de la test mettons du sustanon ou bien euh, déquipoise. Pas de problème, sa libido va être... Ça, le tapis. Et quand ils commencent à genre monter le train ou une affaire de même, puis là, ils commencent à couper les calories et sont en déficit tout le temps. Uf, man, là, il n'y a plus de libido. Moi, j'en connais qui sont en prep pendant longtemps parce que justement, ils veulent gagner leur carte pro. Ça fait, ça fait un an que ça ne pas creusés Ou qui n'ont wow. pas baisé, man. Faut Vraiment, t'aimes ce sport-là, À quel point il ouais, faut que tu ça? La santé mentale, la santé sexuelle, c'est un tout. Tu Quand à un moment donné, tu n'as plus ce désir-là, ta drive, tu la gardes juste pour ton sport. C'est pour ça que je demandais qu'est-ce que ça donne, right? Parce que finalement, c'est est-ce que ça donne vraiment quelque chose de productif, c'est vraiment bon à moyen et long terme, pour ta santé, ou tu le fais vraiment Moi, pour ça toi, pour tes résultats? Toi? Ça m'a apporté énormément de discipline dans ma vie. Moi, c'est vraiment ça, parce que tout ce que je faisais dans la vie, je commençais plein d'affaires que je terminais jamais. Mmh. Je... Oui, exactement. Fait que je commençais plein d'affaires, je n'allais pas au bout des choses, puis euh, à un moment donné, j'ai passé à travers une genre de dépression non, non avouée. Je n'ai pas pris de médication, puis rien, mais. Ça allait pas bien à cette partie-là de ma vie. Je ouais, pense pas que la, les médicaments peuvent changer quoi que ce soit à la mm -hmm. dépression. Mais ouais, tu ça, peux rester accroché pendant fucking longtemps. Puis ça, ça fait de l'affaire des compagnies pharmaceutiques. Exactement, ils oui. veulent malade. De mais toute oui. façon, tu leur ouais. apportes beaucoup plus d'argent. Oui. Euh, J'étais chez nous, ça allait pas bien. Pis tout de j'avais pris du poids. Je pesais quasiment 200 livres à ce moment-là. Puis J'étais comme, OK, genre, ça ne va pas du tout. Puis Je me suis dit, OK, je me fais un cadeau pour ma fête. Puis Je me prends en main. À toutes les fois que je regardais sur Internet des photos avant-après des personnes, c'était tout le temps, genre, photo, genre, grosse personne à personne de compétition. Puis, j'étais comme, si on réussissait à faire ça, genre, no shit, je suis capable de faire ça fait que j'avais ça comme objectif puis là je disais ça à ma famille puis je me rappelle ma mère a ben, voyant donc, Christina tu commences ça, tu finis jamais rien t'sais? puis j'étais comme et hey, Chris c'est pas tombé dans l'oreille d'une sorte. » puis je me suis dit, fuck off et si je vais faire je vais gagner ben si j'ai gagné ah ouais, ouais bravo merci fait que, euh, que c'est ça ça m'a apporté de la discipline de me prouver que j'étais capable de faire des choses difficiles puis si j'étais capable de passer à travers ça dans le fond j'étais capable de passer à travers n'importe quoi tu sais mm -hmm. c'était un gros processus puis euh, voilà puis aujourd'hui dans le fond la personne qui était est-ce que tu refais une autre compétition non non. Pourquoi? Euh, pour tous les problèmes hormonaux, justement, hormonaux que ça m'a apporté. Euh, le, tu vises une shape. C'est mm -hmm. ça l'objectif. C'est pas d'être performant, C'est pas d'être en santé. J'ai mm -hmm. jamais été aussi peu en santé que quand moi j'ai mm -hmm. fait mes compétitions de bodybuilding. J'ai eu des problèmes au rein, euh, des balancements hormonaux. Ben, tout avec ça, tout le que... stock que tu prends, pas sûr que ce soit super bon pour la santé. Mais, non, est Mais aussi, est-ce que ça a le rapport, ça a peut-être un lien que tu, tu veux... Tu Chercherais-tu aujourd'hui, la personne qui était aujourd'hui, une relation stable? Si je recherche une Si tu aimerais ça avoir une relation stable. Ben oui. Ben oui. Puis tu peux pas Absolument. vraiment être dans un mode extrémiste et avoir une relation non, stable. Non, parce que dans toute dans ma vie, j'ai tout le temps été noir ou blanc. Okay. Les zones grises, c'est vraiment très difficile pour moi. Puis je travaille encore fort à trouver un équilibre. Fait que c'est pour ça que je me fixe tout le temps des objectifs aussi différents qu'ils peuvent être. Là, à moment-là, est -ce que tu es en train de dater? T'as eu-tu des dates récemment? Euh, oui. OK. Puis, comment ça a été? Catastrophique. <laughs> ah, ça. ah avais pas besoin de dire le mot. On, on, on avait compris pas dans le Oui, exactement. <laughs> Mais tu sais, mettons, depuis que je suis revenue au Québec, je dirais que ça a été euh, ça a été quelque chose… Au début, je n'étais pas prête vraiment à, 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 à mettre en couple ou à dater oh, ou ouais. échanger énergétiquement avec quelqu'un parce que j'étais encore en processus moi-même de faire mm -hmm. des deuils, tu j'avais beaucoup de deuils à faire okay. les deuils de, de, de mes implants à ma mère les deuils de mon corps les deuils de relations antérieures les antérieurs. deuils de tes implants à ma mère parce que, que passé. Je, me, je, fait tes je me suis fait enlever mes implants à ma mère fait okay. que j'avais comme des deuils identitaires à faire aussi ben oui fait qu'il y avait tout ça puis ma relation avec qui j'avais été pendant quatre ans et demi j'étais partie au Mexique mm -hmm. c'est comme si j'avais pas bouclé la boucle de ça fait que quand je suis revenu du Mexique après un an et demi de séparation c'est vraiment là où est-ce que j'ai pu comme boucler la boucle puis me dire ok je peux m'ouvrir à quelqu'un d'autre si ça finit par adonner. Puis là, j'étais comme, je suis dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement. Fait que je vais ouvrir les, les sites de rencontre. Les Tinder. Les, les, ben, Tinder. Bumble. Tinder, Bumble, Hinge. Facebook, rencontre. <laughs> ah. Nous autres, Facebook on a ouvert Tinder pour euh, recruter des filles pour faire un genre de concept un petit peu, genre avec plein de filles qui... On, on parle de avec dating, mais avec plus qu'une personne à la fois, c'est qu'on a l'impression de ça, mais ça on a de la. Pas J'ai passé. Ouais. Mais euh, c'est pas le concept, c'est pas l'équipement, c'est pas la volonté qui manque, c'est de trouver des filles qui sont, ouais. willing, qui sont faire. willing de faire. Ah puis ouais. qui... hey, on essaie d'en bouquer une des fois, puis c'est après confirmation fois 3 ça te change pareil. T'imagines ouais. 5-6 filles je vais, sur je vais un par. Tu vas être panneau. votre recruteuse, genre le pim. Ouais, on aurait peut-être ouais, on <laughs> on besoin d'un pim. Tu vas classer une classe d'un compte Tinder là, puis tu vas t'en occuper, on va te payer. Tu vas recruter plein de filles. <laughs> mais pour euh... le show, honnêtement, ça pourrait être vraiment pas pire de faire ça, mais. Fait que raconte-nous donc un peu c'est quoi. Euh, tu sais, tu dis que c'est catastrophique. Est-ce qu'il y a comme un pattern, là tu Qu'est-ce qui te... qui te satisfait pas dans le dating depuis que t'es revenu? Je trouve que ce qui est pas satisfaisant, c'est que les hommes sont pas entreprenants. Fait que là, je vais le dire à l'arge, là. Messieurs. « Mettez vos couilles les femmes on a vraiment plus de couilles que vous des fois je me rends compte que moi je suis une très grande chasseuse puis je suis une chasseuse assumée où est-ce que je vais avoir tendance à aller vers les hommes puis je suis drôle j'ai de la répartie dans la vie puis ça fout la trouille aux hommes en général mm. ça fait. dépend de la façon que c'est peut-être fait parce que tu sais comme tu as fait de la compétition puis on a comme un peu c'était les bases que tu étais une fille qui était peut-être masculine mm -hmm. fait qu quand tu dis euh, que tu es comme ça avec les hommes qu'est-ce que tu viens de décrire là? Peux tu peux-tu donner un exemple disons que tu es une chasseuse c'est quoi être chasseuse à être une chasseuse c'est dans l'optique où est-ce que tu j'ai quelqu'un qui me plaît ça me dérange pas d'aller parler fait ouais. que je vais faire la première approche et tout je vais donner comme exemple l'autre fois je suis sortie dans, dans un 5 à 7 à Montréal avec euh, avec une de mes amies c'est rare je sors pas tu sais je suis pas du genre à sortir parce que je bois pas non plus mais je me suis si je veux me mettre dans des positions pour aller rencontrer du monde faut que tu sortes de chez vous ouais exactement puis, moi, puis, Matchum, je pense en tout cas qu'on est deux belles filles qui paraissent bien. Il y a d'autres gens aussi dans la vie qui paraissent bien. Mais on se fait tout le temps approcher. Puis ceux qui ont tout le temps le plus de couilles, c'est tout le temps les gars qui sont fucking médiums, genre des 5 sur 10. Non, mais eux, ils n'ont rien à perdre. Là. Exactement, ils n'ont rien à perdre, oui. ils ont oui. tout à gagner. Puis là, on, on se fait approcher par ces gars-là. Poliment, on répond, puis on interagit avec ces gars-là. Puis il y a tous les beaux gars à côté qui sont de même, puis qui nous regardent. Chris, viens me sauver, man, qu'est-ce que t'attends? Tu le vois bien, là, que ça marche pas, là. Puis l'affaire, la, c'est que la majorité du monde aujourd'hui ont une peur bleue d'approcher des filles, mais les filles demandent rien que ça. Oui, ouais, mais je parle les les, 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 les de rencontres, ça n'a pas aidé là. parce que c'est rendu tellement facile. Les gars, ils ne veulent plus justement approcher comme traditionnellement dans un bar. C'est la peur du rejet. Mais il y a une autre chose aussi, ce n'est pas juste les sites de rencontres, c'est que la problématique, parce que oui, on, on a beau mettre le blâme, c'est les hommes qui prennent pas assez les devants, mais un homme qui prend les devants aujourd'hui, souvent, une, les femmes voient ça, pas toi, là, mais en général, les femmes voient ça comme s'ils si dérangeaient. Tu viens comme, genre, je suis ici pour mes amis, puis tout ça. Pis, ils voient ça comme si t étais t arrivé comme un prédateur. Fait que tu te sens comme... Ah non, pas moi. Moi, j'adore ça. Il y en a beaucoup ouais. qui c'est de même. Là, pour vrai, tes approches, c'est comme... Euh... ouais mais c'est parce que les filles, puis même les gars, j'ai remarqué, les gens jouent au hard to get. Faut-tu lever ton micro? Je, ouais, je, là, je parle, je parle des, des affaires que j'ai entendues parce que moi, j'étais en couple, mais tu sais, j'ai entendu des gars me dire ça. Parce que moi, quand j'étais pas en couple, j'avais pas de problème en tant que tel. Là ramasser une fille, mais j'ai des chums qui me parlent, qui sont célibataires, puis qui me disent toutes que « Écoute, je suis allé à tel bar, à telle, telle place, puis euh, la personne, la fille a commencé à rire de moi, a commencé à dire ci, a commencé à dire ça. » Je suis comme « Tabarnak, c'est sauvage, même euh, Mais dans quel contexte dans le contexte que tu sais, le mec a, a approché, puis elle se foutait de sa gueule. Ouais, elle se foutait de sa gueule, ouais. ou bien ben, ce qu'elle faisait, c'est que dans le fond, elle, elle, elle faisait sentir comme si c'était presque un oppresseur ou un prédateur. Puis, pour après, approché, bien, puis après ça, tu sais que ben ça, la même fille va chialer dans 2-3 ans. Ils sont où les gars? T'sais? Je me fais plus approcher. Ils sont où les hommes? On m'approche ben ouais. plus. Ben, c'est exactement ben ça, comme... avec ce genre de comportement-là qu'on t'approchera plus. C'est comme la fille <laughs> dans un gym, justement, qui met son trépied, genre avec son téléphone sur puis se faire filmer, puis là, elle remarque dans son écran qu'il y a gars qui a regardé le cul, mais je veux dire, elle met des avec euh, on dirait que ça y rentre dans la craque de fesses, tu peux voir qu'est-ce qu'elle a mangé la veille tu sais c'est comme yo si tu veux vraiment aller dans un gym puis tu vas t'habiller comme une danseuse nue attends-toi de te faire regarder là. non mais ces filles là puis, ils, je, ils après ils savent ça ils mettent ça sur TikTok ils font comme check le creep pis toutes ces affaires là je suis comme non non mais ça c'est des connes de quoi, là, ouais, dire, mais... la, la fille elle sait très bien <laughs> non, mais... non mais elle sait très bien qu'elle s'habille pour attirer l'attention puis après ça ça vient chialer quand ça a de l'attention juste pour jouer à la victime is quand je mets legging, leggings parce que j'assume que je mets mon legging tu veux la regarder regarde-le est tout inclus. Là. Ben, c'est ça. Si, si t'es pour faire ça, si t'as pour apporter ce comportement-là, ben, justement, il faut que t'acceptes ça. Puis si tu l'acceptes, c'est tout en ton honneur. Mais si tu commences à jouer la victime, puis tout ça, là, get a life, ouais. man. Fait que là, pour euh, retomber sur. Fait que là, cette situation-là se passe, tu t'en vas dans un bar avec tes amis, les médiums, gars, viennent t'approcher parce qu'eux, ils ont rien à perdre. Puis tous les beaux gars que toi, tu voudrais qu'ils viennent t'approcher sont comme. Oui, ah, ben, il te tard. regarde toute la soirée, il te regarde, il se rapproche parce de toi, que, mais jamais il vient de te parler. Parce que nous parler. autres, c'est le même. Quand tu vois une belle fille dans un bar ou dans un restaurant, c'est toi qu'il faut qu'il y aille. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui y va, ah, ben, tu perds ton ça. spot. Là. Ou en tout cas, tu as le feeling que tu as perdu ton spot. Ouais. Ben, en tout cas. Fait que ça, a été, ça a été pas mal ça. J'ai eu comme un échange d'un numéro avec quelqu'un là-bas que pour, pour moi, c'était pas selon mes critères, mais je me suis dit, je vais ouvrir mes critères à peut-être explorer. Parlant de critères. Parlant Quels de... sont tes critères Mes critères, euh, j'aime un homme qui est masculin, justement dans son approche, qui va prendre en charge par rapport à son attitude, quelqu'un qui est entreprenant fibre entrepreneuriale aussi je trouve ça vraiment fucking sexy sais quelqu'un qui est comme ok qui, qui est orienté vers les goals quelqu'un qui s'entraîne c'est pas genre chérie qu'est-ce qu'on fait fin de semaine c'est on fait ça ce soir oh est, my God. Euh, tout est taken care of j'ai pas besoin de penser il euh, ça y en a de moins en y moins, en a de moins, moins monde en moins, qui capte que c'est ça que les femmes sont attirées oui, par, mais ça. la question du jour si tu rencontres ce gars-là qui est entrepreneur qui est leader qui a pas peur de dire ce qu'il pense euh, qui, qui, te, qui est à ton goût physiquement. Ton 10 bien, sur 10. Ton 10 sur 10. Est-ce que, toi, es, tu vas te mettre automatiquement dans ton énergie féminine, tu vas faire comme, OK, je peux me soumettre à un gars comme ça? Si je vais me soumettre à un homme comme ça, ça va être dans l'optique où est-ce que je me sens en sécurité. Si je me sens pas ou si j'ai pas le feeling que je suis en sécurité près de cette personne-là, jamais. Si je sens que j'ai toujours à prendre le lead, puis à toujours à être en avant pour défendre les points ou genre qui est juste pas capable d'avoir une opinion. Premièrement, je serais pas quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui ou... est tout le temps d'accord avec toi, ça t'ennuie. Ah, si exactement, on fait quoi Mais ben, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais faire Oh hey, Chris, man, tu me tuerais, <laughs> La bête. Mais Chris, un autre, Mais puis le pire, c'est que la majorité des gars, on, on leur apprend via Disney, les films, ouais. la société en général, puis la culture populaire, qu'il faut que tu mettes les femmes sur un pied de. Salle, puis, ah oui, chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, on prend le propose de quoi? Puis, au pire, tu Mais ça, c'est du programming, justement. Mais ce que je veux dire par rapport à votre question, tu sais, puis je le sais que vous faites ramasser en tabarnak ces réseaux sociaux, puis vous faites traiter de misogyne quand vous vous dites, de on mange la misogynie pour déjeuner, ouais c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon que la question est posée, les gens ont peur de la soumission. Il y a personne qui est comme, ah, si oui, je suis soumis, si je veux tu sais, mettons. Mais c'est pas dans cette optique-là. J'aime ça qu'on fasse le <laughs> Mais c'est important ben. de le dire, quand une femme va être soumise à son homme, c'est qu'elle va plier parce qu'elle va se sentir justement en sécurité, elle va se sentir supportée, elle va sentir que son homme est derrière Mais elle. Mais il faut que tu fasses confiance à son leadership. Exactement. Les, ouais. les, les gars qui n'ont pas un bon leadership et que leur femme ne trosse plus leur leadership parce qu'ils ont menti trop souvent ou bien parce que justement ils se sont mis dans des environnements qui peuvent être dangereux puis ils n'ont pas pris la décision de partir de cet environnement-là puis la femme, elle observe. J'en ai parlé souvent. Justement, si la femme voit que son homme n'est pas capable, justement, de faire des bons calls puis qu'il prend tout le temps, justement, des, il n'y a pas de, un bon judgment call dans le fond, mais ben, elle ne pourra jamais se soumettre. Elle va se soumettre peut-être au début, puis à un moment donné, elle va se switcher d'énergie pour faire comme, OK, c'est pas un bon deux. Mais c'est comme quand tu travailles pour une entreprise, tu as un boss, puis tu respectes ton boss parce que, justement, tabarnak, ce c'est pas un patron qui va juste te dire quoi faire. C'est quelqu'un qui va t'expliquer pourquoi. Puis qui t'amène avec lui. Puis là, c'est comme, je vais l'écouter. Moi, ouais. bon, la guerre avec lui. Mais moi, il y a un patron que je respecte pas, puis que ne voit pas que je suis un bon vendeur, puis tout ça, puis il, il, dans le fond, il, il, je sais pas. Il, il, y a il pas remet de, il y a... en question constamment ce que tu Exactement, fais. Exactement. J'oublie ça. Je, je vais toujours m'argumenter avec. Ouais. Mais c'est ouais. ça, le principe de la soumission c'est que tu ne vas pas argumenter une personne que tu fais confiance. Non. Puis euh, j'ai une question, euh, un bon follow-up euh, follow à ça. Est-ce que les femmes qui. ça leur donne des frissons comme un des ongles sur un tableau, euh, quand qu elles entendent le mot soumission. Est-ce que tu penses que toutes les femmes, si elles rencontrent le bon homme, vont se soumettre à lui? Même celles-là qui... Absolument pas. Parce que... La société d'aujourd'hui a montré que c'était important d'être une femme indépendante. Puis il y a une différence entre une femme indépendante puis une femme forte. Puis l'autre soir, justement, quand on est sorti à cette place-là, il y a quelqu'un, j'attendais ma chum de fille à sortir des toilettes, puis j'étais juste comme, dans ma tête, je peux être lunatique assez rapidement. Puis le gars est venu à côté de moi, puis il était comme, Waouh, t'as vraiment l'air d'une femme indépendante, toi? j'étais comme, Pas du tout. Puis comme, Ah non, comment ça? J'ai dit, Bien, il y a une différence, je pense que vous n'êtes pas capable de faire la part des choses entre une femme forte puis une femme indépendante. Une femme indépendante n'aura jamais besoin d'un homme. Mm. Moi, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, puis il était loin. – C'est... – Exactement. – Mais pour répondre ça, à ta question, ouais. non, parce qu'il y a trop de femmes maintenant aujourd'hui qui disent que c'est des femmes fortes qui vont élever la famille toute seule. J'ai rien contre ça. C'est correct si ça, c'est bon pour toi, mais qu'est-ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Moi, je le dis, dans ma vie, je veux avoir un homme, j'ai envie de, de bâtir quelque chose avec un homme. De, de pouvoir soutenir d'être comme le fort de la famille tu sais. Ben, moi je pense que ouais, c'est bon sur la distinction entre une femme indépendante et une femme forte parce que moi je veux pas une femme indépendante je veux qu'elle soit quand même jusqu'à un certain point dépendante de moi mais je veux pas qu'elle soit faible puis qu'elle fasse rien puis qu'elle prenne pas non, non plus des initiatives dans son corps et de ça belle ben tu sais. Ouais. Fait que c'est vrai mais moi par exemple contrairement à toi je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense que elles entendent le mot « soumission », ça les fait sourciller, mais que si elles rencontraient la bonne personne, elles se soumettraient à lui, mmh. c'est juste qu'elles ne l'ont pas encore. Moi, mais c'est selon le niveau de compréhension, parce que ce type de conversation-là, ouais. tu n'as pas ça dans ton d -to du lundi au vendredi de 8 à 5. qu'on a que besoin qu oui, d'avoir ces conversations -là. À force d'avoir des podcasts comme, comme ceux là qu'on fait au Québec... Éventuellement, ça, le vent va switcher. Mm -hmm. Les yeux Par vont s'ouvrir. Oui, exactement. Mais pour l'instant, puisque j'en ai parlé souvent à des femmes qu'ils écoutent notre podcast, puis là, ils veulent parler d'énergie masculine, féminine, puis tout ça. Puis j'en ai une gang qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça que leur chum soit plus dans leur énergie masculine, mais que je le sais que, ah, parce qu'à force de leur parler, ils font comme moi, mais c'est tu quoi? Non, parce qu'il me, me ferait faire ça, il me ferait mettre mes réseaux sociaux privés, il voudrait plus que je sois ami avec des gars, puis tout ça. C'est-tu quoi? Non, je préfère garder le lead finalement. Ouais, sauf que la fille est, elle est là en train de te cruiser dans tes DM. Ouais, tout le temps. Puis elle, elle a un Mais chum. Oui, Il y a des filles qui ont des chums qui sont venues parler, qui ne un trip pas trois avec moi et ma blonde, ah. puis tout ça, ils ont des chums. Puis après ça, ben, tu sais, comme <laughs> ils veulent justement plus que, la, que leur chum soit dans leur énergie féminine, qui prennent les devants. Mais finalement, c'est comme, regarde. Tu te rends pas compte justement que. Parce qu'il ben, y en a des plein qui font comme. Elle veut, elle parce Oui, mais finalement, elle peut pas avoir pleinement confiance mais, en l'autre personne. L'autre personne ne pourra jamais Mais avoir elle voudra jamais confiance. mettre ses réseaux sociaux privés ou elle voudra jamais, mettons, mettre fin aux amitiés qu'elle a avec des gars. Parce que moi, je pense pas que l'amitié goffée, ça l'existe. Surtout quand tu es en couple. Vrai. Puis euh, elle serait pas prête à faire ça. Mais je suis comme, ouais. Peut-être que si son autre chum, il aurait vraiment mis ses pantalons, puis il aurait été plus dans son énergie masculine, puis il aurait été un petit peu plus bossy, puis il t'aurait plus. Ça va faire mal ce que je vais dire. Il t'aurait tenu sur une laisse. Mais peut-être <laughs> peut-être que tu serais pas dans mes Alors, DM même, à se fourrer avec moi, tu sais. Ah <laughs> <laughs> uh, boy, mais si tu vois si tu viens de si son homme était exactement comme tu viens de le décrire, probablement que tu y aurais jamais parlé sur Instagram. Alors, ah, elle, elle serait jamais venue nous voir. Leur subconscient veut une affaire, mais ils se sont tellement fait conditionner par le féminisme d'être une independent woman, ouais, ouais. dans tes décisions, puis you as go de girl. de payeur de taxes. C'est pour ça que. Femme indépendante. C'est pour ça que dans la journée, c'est comme non, je veux être une femme indépendante, puis le soir, ça écoute Fifty Shades of Grey, en se masturbant. Exactement ça. Mais c'est comme on disait, je pense que tu peux pas dissocier. Tu vas être malheureuse si tu dis ceci, ce que tu veux vraiment ouais. intrinsèquement, mais, mais que tu te donnes une autre facette dans ces le public juste parce que la société veut que tu penses comme ça. Mm -hmm. ces femmes-là, c'est quand même nos meilleurs femmes, man. Puis on dérange leurs démons. Ça les fait chier, genre, parce qu'ils savent qu'on a raison. Ah, c'est pour ça qu'on est là, bro. C'est pour ça qu'ils s'ostinent tout le temps avec moi dans mes DM. Ils s'ostinent, mais elles savent au fond que j'ai raison. Puis c'est comme ah, ça. Ça ouais. fait chier, man. Mm -hmm. ouais. Mais à un moment donné, ça va... Regarde, tant que tu plantes la graine, ça va juste germer. Puis à un moment That's donné... What she hein. said. Ouais. C'est juste ça qu'elle veut faire, euh, se faire planter ta graine. T'sais, ouais. T'sais. Ah ouais, prends ça de la, la graine. Puis qu'elle la laisse germer, puis ça va. Là, pour revenir un peu de sérieux. Euh, ouais, je suis pas mal sûr que juste cette interaction-là, ça va la faire penser. Puis elle va, son chum, il changera probablement pas parce qu'il faudrait qu'il prenne un esti, Genre de. Un, un gros coup de pelle de réalisation, puis de changement de conscience, puis qu'il travaille sur lui pour arriver à faire ça. Mais. Ouais, moi, je pense que même, tu sais, là, tu disais que tu n'étais pas d'accord quand que je te disais que moi, je suis sûr que toutes les femmes ont cette femme soumise-là en L, ce elles, c'est juste qu'elles n'ont pas trouvé le bon homme, mais elle, elle était sur le bord, right? Ouais, t'sais, mais il y en a beaucoup qui sur sont il y en a beaucoup qui sont comme euh, on the fence, ok? Puis là, ben, tu sais, comme ils vont reculer parce qu'ils vont se rendre compte que ça prend trop d'efforts, ça change trop la réalité, ça irrite trop leur démon, fait qu'ils vont reculer, là, ils vont revenir par revenir sur le fence, puis là, après ça, ils vont te reparler, ils vont reparler à un autre gars qui fait un autre podcast de même, il faut faire comme. Ils vont finir pas changer, moi, je pense, mmh. ces filles-là. Mais je pense qu'ils ne sont pas prêts encore. Mais ça prend plus de ben, podcasts il y a, comme le nôtre, même. Il y a un travail d'éducation à faire. C'est là ben, la différence. Ben c'est ça. Puis ça, ça va bien, bien loin. Pis ça prend de la curiosité. Puis il y en a beaucoup quatre, qui sont pas prêts. Parce que curieux. quand tu as dit deux taxpayers, tu sais, c'est comme il y a bien des affaires qui vont loin. On, parle, on, va, on va parler des, ro des Rockefellers, mm -hmm. le système scolaire, ceux qui ont financé le mouvement féministe, ça peut aller bien loin. Mais si le monde ne commence pas à justement parler puis d'avoir des couilles, de se mettre devant une caméra puis de dire ce qu'ils pensent, malgré qu'ils vont se faire lancer des oeufs, ben, le monde ne changera pas. Mmh. 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 C'est pour Exactement. ça qu'on est là. On parlait d'amitié homme-femme. Toi, tu y crois-tu? Hey, C'est tellement une question. Euh... Autant que là, je suis célibataire et je dis que j'ai des amis gars mais je le sais que si j'étais en couple, ça ne serait pas... Euh... Ça serait il, pas des amitiés. Il prendrait genre. le bord. Il répondrait moins, maintenant. Il répondrait moins. moi Oui, exactement. Ça. Puis, tu sais, je pas envie, admettons, que, que l'homme avec qui je serais se sente en compétition, mettons, avec un de ces hommes-là ou que l'autre prenne toute la place. Tu sais, j'ai déjà des amitiés de femmes. Que, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas tant de temps dans une vie pour être capable d'entretenir ces amitiés-là. Fait que c'est de bien choisir le monde aussi qui t'entoure, tu sais. Moi, je pense que tu n'es jamais 100 juste ami avec une fille, à moins que vraiment physiquement, là, elle soit vraiment à l'aide puis elle pèse 300 ouais. livres. Mais j'y parlerai juste pas, moi. Mais l'affaire, c'est que c'est. <laughs> Pour nous autres, la fille elle est tout le temps dans le, dans le catalogue des peut-être. C'est ça qui. Puis moi, c'est pour ça que moi, c'est un gros red flag. Une fille qui a beaucoup d'amigas, parce que je sais qu'elle, elle, elle l apprécie l'attention que ces gars-là, ils donnent, ouais. sans lui donner ce que lui, il veut vraiment du sexe. Puis moi, ben c'est sûr que c'est un red flag parce que si tu as besoin d'avoir autant d'amigas, c'est que tu te laisses tout le temps un peu un, un catalogue d'hommes. Pis si tu es avec moi puis tu me respectes puis tu m'aimes vraiment, tu ne serais pas supposé d'avoir besoin ouais, de ça. Oui, mais ouais. encore là, il y a une différence entre une amitié réelle ouais, et sincère. Et une connaissance. Et une connaissance. Mettons, une connaissance. Fait que ouais. Je dirais que j'ai beaucoup de connaissances. Il y a... Ça, c'est correct. Right. Ouais. Des connaissances du bureau, des gens que tu croises une fois de temps en temps, Connaissance... par intérim de famille, parce que c'est le chum d'une de tes amies, ça, c'est correct. Exactement, oui. mais de quelqu'un dire, écoute, lui, je sais que je peux pas prendre le téléphone. C'est mon ami, il vient chez nous, on se fait de la bouffe ensemble ouais. dans la cuisine, on tout seul les deux, on, on fait Netflix and chill. Moi, c'est une belle mais Justement, de ton... faire non. ça en tant que célibataire, c'est que tu te gardes une porte ouverte aussi avec la personne. Quand tu es célibataire, c'est correct. Mais, mais quand tu es célibataire, une fille qui est célibataire qui a des amis gars, il n'y a pas de problème avec ça, c'est quand tu te mets en couple. Non, exactement célibataire tu célibataire, si t'as un flat tire ou une affaire de la même, à moins que tu saches déjà comment le changer, ou bien t'as un problème mécanique, tu peux appeler ton chum de gars et il va venir t'aider. Mais quand t'es rendu en couple, c'est ton chum qui fait ça. ouais mais si ton chum ne sait pas le faire… ben là, tu te ra tu tu ramasses d'un DM à Joël, la vraie. Mais si ton chum ne sait pas le faire, faut il faut qu'il ait de l'argent pour amener ton char au garage, puis ça, c'est correct. T'sais. Exactement. si ton chum ne sait pas comment changer un flat tire, c'est pas un homme. Point final. Oui puis euh, ouais c'est ça ça c'est le genre de petite affaire euh, <laughs> aujourd'hui les, les gars man, sont moins en moins capables de faire des trucs fucking basic manuels ouais. là, genre accrocher une TV ou euh, poser accrocher un cadre <laughs> poser une, une pole <rire> <t'sais>. <rire> ah, yeah, mais ouais, fait que mais non, si, si il n'est pas capable de le faire, au moins il prend ça en charge, puis dis-moi que tu, je vais revenir une journée, puis ça va être fait. Peu importe, débrouille-toi, dis-moi que tu fait. Ben Peu importe, il faut, fait, faut juste ça. que ça soit fait avec ta femme. c'est pas plus compliqué que ça. Même si tu sais pas comment le faire, tu dis, oui chérie, ça va être occupé. Ben oui. alors On va m'occuper de ça. Puis après ça, ben hmm, oui. okay, une question, je vais appeler Joël, okay, je vais appeler euh, Mathieu ou ouais, ouais. je vais aller au garage. Puis, tant que c'est fait, man, tu ouais, vas être safe. Ton ami t'appelle, hey, j'ai envie d'exciter ma blonde à soir. Peux-tu venir pour ça? <laughs> <la vidéo> <laughs> <laughs> Elle va être mouillée. Okay. Ben, fais, fais ça pour moi comme ça. Je vais avoir une pipe à soir. T'es un bon chum, merci. <laughs> On fait ça pour l'équipe. <laughs> euh, I'm going to save one of the bros. Fait que là, ça fait combien de temps que es tu es sur le bâton? Wow. Là, ça fait, oh, dans le fond, deux ans, là, officiellement, je, officiellement, je te dirais, depuis février 2022, ma rupture de longue relation. J'ai été avec quelqu'un pendant 9-10 mois à peu près. Fait que officieusement depuis le mois de mars, je suis... Ah, fait t'as eu une fréquentation, finalement, une fréquentation. après ta relation sérieuse de 4 ouais. ans. Pis ça s'est passé comment? Ça s'est passé que j'étais pas, euh, pas prête. Mon, je me suis rendu compte que mon deuil n'avait pas été fait de ma relation précédente. Ça a comme été un coup de foudre, je te dirais, les deux premiers mois. Après ça, au mois d'août, j'étais revenu au Québec pendant un mois pour venir comme faire des grandes coupures aussi, vendre le reste de mon stock et tout. Puis euh, quand je suis retournée au Mexique, c'est comme si on était déconnecté. C'est difficile à expliquer comment, mais euh, comme... Ça allait trop vite selon le, le pace auquel j'étais prête. Puis au début, je lui avais déjà mentionné. Tu sais, je sais pas si je me sens prête à être en relation dès maintenant. C'est vraiment frais. Puis, ah, oh j'en d'avoir posé la question. Quand une fille dit ça dès le début, mon gars, euh, elle ouais. te l'a dit, man. Fait que tu pourras pas chialer que tu as de la ouais. pépine après. Ouais, non. puis après ça, il me l'avait dit. Je quasiment d'avoir posé la question. Puis j'étais comme, tu on va ah juste non. être dans le flow. Puis tout ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, j'ai été honnête et transparente avec Ce toi. Ce qu'il devrait hein. regretter, c'est d'avoir été plus loin avec toi malgré que tu lui as dit. Puis d'avoir un attachement envers toi puis d'avoir laissé ça continuer mais c'est sûr, sûr que, que par regrette. exemple avec l'âge t'as du bagage ouais. fait que as du bagage émotionnel puis t'as as eu des attachements avec des gars fait que c'est sûr que parce que goût. je vais répondre je vais te dire quelque chose qui est Difficile à entendre, mais c'est la vérité. Mm. Tu sais, quand tu vas dans un bar puis tu dis que les 4 sur 5 t'approchent, mm. les, les 4 sur 5. Les, 5 les 4 et les 5 sur 10 t'approchent, mais que les, les 8 à 10 t'approchent pas. Mais souvent, les 8 et les 10 qui arrivent, c'est qu'ils vont aller chercher les plus jeunes. Puis je mm. t'explique pourquoi. Parce que les plus jeunes, ma blonde, mettons que ça va sur 24, elle n'a pas tout ce trauma-là et ce bagage. Je sais que, genre, après deux mois, justement, elle ne va pas faire comme j'ai encore de l'attachement pour tel gars et tout ça. Puis. Les gars qui sont « wise » savent ça. Parce que ah. beaucoup de filles, il y a du monde qui font comme « OK, tu vas aller faire une petite jeune parce que tu veux prendre l'avantage d'elle. » En 30 secondes Donc, avec juste, la dette, C'est juste sait. que statistiquement parlant, c'est moins un risque. C'est ça qui arrive. C'est que c'est plate, mais tu viens de l'expliquer. C'est que tu étais dans une... Pas une relation, mais tu avais une fréquentation, puis... Ça a été mon chum. c'était sûrement une bonne personne. Absolument. Mais le gars, il a quand même été perdant là-dedans. sais. Absolument. Il a été Mais... perdant, puis j'ai été tellement mal de tout ça, tu sais, puis je pense que... On, on a continué là-dedans, on a même fait euh, genre du coaching de couple, tout ça, parce qu'on était comme, OK, on va se donner une chance, puis tout ça. Puis un moment donné, j'étais juste comme, je suis plus capable. Du coaching on est couple les... après deux mois Non, après comme six mois, mettons. Okay. 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 Ouais. Fait fait que, après, des fois, c'est pas d'attendre nécessairement que ça aille mal, mais ça peut juste faire en sorte que ça, ça aille bien. Ouais, fait puis, que... Pour rebondir ce que je le disais, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, parce que je voudrais extrapoler un peu. T'sais, quand tu parlais de. Il y a juste des cinq puis des six qui t'approchent dans les bords puis que les 10 t'approches pas. Oui, les 10, c'est vraiment un 10 sur 10 là, le gars qui a tout dans la vie, il a ses finances en ordre, il est haut statut social, il a une bonne job tout ça. Oui, ils vont aller chercher plus jeunes parce qu'ils ont plus d'options. Mm -hmm. Mais toi, ce que tu catégorises de 5 et 6, est-ce que finalement ne serait pas le genre de gars avec qui tu devrais <laughs> okay. faire OK, T'es un... comme euh, Je avec qui tu vas faire un... mettons... Il mesure 5 et je fais 5 et 7 en passant les doigts mesurer 5 et 6 5 et 7 il y a un sac d'oignons sac d'oignons en passant étant un esti manse de marde. Oh, wow. il y a une chemise léopard puis il vient me parler de ses cristaux Ouais. Ben, c est c est pour moi, ça c'est plus un 2. Non, 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 ça c'est un 2. Non, non, mais là, j'étais comme, tu sais, j'ai du reste pour moi mais Ça remet les choses pas. en perspective. Exactement, okay, moi ah, je le bon. sais que je vais être vraiment beaucoup dans mon énergie masculine accompagnée de cette personne. là ben, oui, tu non, c'est ça. Fait que là, ça, ça marchait pas pour moi. Puis honnêtement, des 10 sur 10, cette soirée-là, j'en ai pas vu. Selon mes critères à moi que ce que je que je vois je vois comme waouh si je Mais c'est pas nécessairement ouais. juste physique non plus, c'est dans l'approche, c'est la dans l'énergie, c'est dans, dans la connexion, la échangée. façon exactement la façon que la personne va me regarder ou c'est plus dans la façon comment je vais me sentir en présence ouais. de cette personne là. Mais je pense que c'est faisable, il faut juste que tu te débarrasses de certaines traumas ou ben certains bagages émotionnels ah, que tu as, il faut que tu fasses le vide là-dessus. Moi ah, je mais... croyais fait que moi je le fais avec ma mon, mon dieu, mais <coughs> Je pense que... Parce que je l'ai dit souvent, là, le trauma builds a man, but trauma mm. destroys a woman. Mm. Puis j'ai sorti avec des femmes qui étaient extrêmement belles, que je considérais des neuf, peut-être 10 sur 10, mais qui étaient plus âgées que moi. Mm. Puis à chaque fois, ça a été un, un désastre. Ouais. Hein. Ben chaque moi, fois. honnêtement, je regarde pas non plus des hommes nécessairement de mon âge. J'ai 34 ans, mais moi, euh, quarantaine euh, mm. et plus, je trouve ça fucking sexe. Moi, j'adore mm. les. Bah ben, c'est comme nous autres. autres, on sort avec des filles vraiment plus jeunes que nous autres, mais ça se correct. transporte aussi dans la quarantaine. Quand, mais quand moi, je pense que c'est plus complémentaire, right? de tableau c'était la même chose j'étais avec des hommes qui étaient plus vieux que moi aussi mm -hmm. j'ai toujours été attiré par ça puis j'ai pas de daddy issue là, fucking pour, pas, par l'expérience c'est ça vous, êtes acc... vous vous êtes attiré par l'expérience nous on est attir... nous c'est l'inverse c'est le nord et le sud le ying et le yang c'est exactement ouais. ça mm -hmm. fait que, mais on les... est des misogynes pour dire ça vous êtes des estimes misogynes les gars ouais on sait mais... on aime ça moi, j'aime ça. Je suis misogyne, je l'assume parfaitement. Je te dis, je mange un bol de misogynie à chaque jour. Hein. Ouais. C'est ça que je mange. Avec un peu de lait. <laughs> ouais. Du lait d'amande. Non, sans sucre. Mais euh, fait ouais, ça, ça replace un petit peu parce que souvent, les femmes disent ouais, si moi, Je mérite un 10 sur 10 c'est juste des 5 qui viennent me voir. Mais finalement, c'est pas. C'est pas ce genre de gars-là finalement qui fit avec toi, qui est aligné sur l'échelle. de C'est parce que c'est pas un match énergétique. fait que, je me suis mis dans des positions pour justement être dans des événements, rencontrer du monde. Puis finalement, ça. Je pense pas que tu auras un bon match énergétique dans un bar. Effectivement. De toute façon, raison. le monde qui soit dans un bar, c'est bien rare le monde comme toi qui boive pas. Toi, ouais. tu fais partie des exceptions. La plupart des gars vont boire. Ouais. Fait que là, tu vas y voir dans l'eau, dans une vibration plus basse. Fait que là, c'est sûr qu'en partant, c'était une, une recette pour le chaos. Moi, je pense que es, c'est plate, ce que je veux dire. Je suis pas pour les, les sites de rencontre, mais je pense que plus de gens sur Tinder que dans ouais. un bar aujourd'hui. Ah ouais, tu penses ça? Oui, parce que sur Tinder, au moins, es tu es sûr. Tu c'est plate parce qu'aujourd'hui, tu es comme ça. Hey, ça serait ben, le fun de rencontrer toujours. de façon organique quelqu'un, tu mettons, à l'épicerie et tout ça. Ça arrive, plus ça, jamais. Arrive ça, plus ça arrive plus. Ça arrive plus. Ben, parce ben, que non. les gens, se parlent plus. Ben, écoute, ouais. moi, ma blonde, je vais rentrer sur Tinder, puis c'est une parole. Ah, il n'y a pas juste, euh, tu sais, moi aussi, je l'étais, puis on s'est rencontrés sur Tinder, puis je suis pas un... Je suis en ordre, j'ai pas de démons, je suis un gars super euh, entrepreneur, comme tout ce que tu viens de décrire. Il y en a du monde, même comme il y a des bonnes femmes sur Tinder aussi. Exact. Parce que justement, tu te dis, il y a des bonnes personnes qui ne rencontrent plus personne en public parce que plus personne ne parle. Fait que oui, il y a du bon monde qui finit ah, ça. Ouais. ça. faut que tu filtres, par exemple. Hein, parce ouais. que, y... ouais, <laughs> puis, que ce euh, des soit sur n'importe quel site, c'est même affaire où quelqu'un va dire Hey, me semble, je te verrai avec cette personne-là. finalement, y a tu un fit, il n'y a pas de fit. Mais moi, je laisse tout le temps la, tout le temps la chance à quelqu'un. Je vais pas coucher avec mais toi, rien à, mais c'est plus comme c'est le gars qui va te regarder. Il va passer, il, t'sais, il, t'sais, il, il fait juste prendre soin de ses affaires. Il passe dans le bar, il te regarde dans le même, puis il vient te parler direct, avec assurance. Oh genre. my god, miam. genre, comme il t'a vu, il t'a sauté dessus direct. Ouais, ça, sérieusement, ça, là. Versus, le gars, tu l'avais déjà remarqué quand il passe. Tu as remarqué qu'il était beau. Mais s'il si prend comme 15 minutes, il s'en va s'asseoir, il te regarde, il essaie de croiser ton regard. Mm -hmm. Déjà, ils viennent de descendre d'une coche. Right? Vers, Parce qu'il si est si pas venu directement. Exactement. exactement. Ouais. Parce que là, ça, 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 ça transpire la, le baller. Ça, je, ça, transpire ça démontre la de, confiance. La confiance, puis. Euh, tu sais. Ouais. Go getter. Euh, mental, mais il y avait un euh, temps aussi qui a une bonne place pour rencontrer des filles, c'était au gym. Moi, ça fait longtemps je m'entraîne, ça fait 16 ans mais aujourd'hui c'est parce qu'on les gars justement ils ont tellement peur des filles qui vont les pogner à la caméra en photo pis pour, faire you, coup, pour faire un Oui, ouais. pour faire un au moment il y a une autre affaire aussi par rapport au gym parce que je pensais à ça l'autre fois quand que je dis que les gens n'interagissent plus ensemble tu vas au gym avant là dans le temps quand on a commencé à faire ah il, ah oui, il ans, hein, on jaseait ouais. ensemble on n'avait pas nos écouteurs on n'était pas sur nos selles il y avait on tout au bas bon santé à faire puis on se jaseait ça peut prendre une être heures tout le monde est là genre c'est l'heure avec les écouteurs le la du jack 3D là chat. <laughs> ça piquait partout. On oh, m'a oui. dit que c'était le fun. Mais oh, oui, oui. maintenant, ça n'arrive plus. Tu sais, J'étais au gym justement l'autre fois, puis des fois, j'essaie juste de d'enlever de, la coupure de son ou d'enlever la musique puis je fais juste écouter un peu les conversations qui est autour de moi tu sais pour voir c'est quoi l'énergie il n'y a rien qui se passe il y a de la musique qui joue les télévisions sont allumées ça joue des vidéoclips puis les gens font juste s'entraîner à part si le monde y vont ensemble parce qu'ils se connaissent là, exactement mais, mais sinon les gens qui se rencontrent comme ça des, au gym ou ailleurs les gens se parle juste tellement de... le fun j'en ouais. faudrait que dans toutes les gyms on fasse une semaine pas d'écouteurs ouais. pas rien puis on interagit avec les gens je pense que de ça demain. prend vraiment pas grand chose parce que je pense pas que les gens sont juste rendus compte complètement le antisociale, les gens ont juste peur. Ouais. C'est juste la peur d'interagir avec le monde. Je, je prends un risque, c'est rendu un risque maintenant d'approcher quelqu'un. Comment il va réagir Il ouais, va se m'envoyer chier. Depuis les trois dernières années, avec qu'est-ce que le gouvernement, a essayé d'implémenter justement en séparant les gens puis en divisant les gens de cette façon-là. Il y a un bon travail qui a été fait déjà là à faire en sorte que Chris, On, bon les on, les on est divisé exactement. Oui, est... moi je, je pense avoir bon ça, ce -là, ça là. va rebondir. Oui, mais ça prend encore une fois des conversations. Ça prend du chose? temps, ça prend des gens qui ont les couilles de parler de ces sujets-là avec lucidité. Ça a, ça a tellement divisé le monde, la COVID. On a parlé souvent, mais moi, je on pense peut faire que un, un petit bon segment moment. COVID pour terminer. Okay. Oh c'est pas fini. Parce que moi, ça me fait, fait rire, man. Le monde qui veulent le plus tourner la page sur la COVID, c'est ceux qui ont le plus embarqué dedans. Hein? Alors, ceux -là qui ont Mets ton masque, je suis triple vacciné, puis tout ça, là, eux, ils veulent plus en entendre parler parce que euh, faut que tu déterres un peu tes démons parce que tu as ils agi savent, comme un assassin Ouais. C'est la culpabilité. Mais ils veulent, pas, là, ils veulent faut... continuer à ouais. se mettre la tête dans le sable. Moi, il y a eu un temps où est-ce que je défendais beaucoup mes points. J'ai été shadowban. J'ai plein de vidéos qui ont été shut down sur TikTok, sur Instagram puis tout ça. Puis... J'ai fini par comprendre qu'à un moment donné, il fallait juste que je lâche prise, de montrer des choses positives, que la vie se passe. et mettons au Mexique, au début, je partageais tout qu ce qui se passait. Les, les camionneurs, tu là Un je suis il faut que je sois dans l'amour pour accueillir ces gens-là pour pas qu'ils se sentent persécutés comme ils se sentent toujours persécutés. Tu peux pas les forcer à changer, mais la journée. Par une autre persécution, oui. Exactement. Fait que mmh. la journée qu'ils vont décider de changer, c'est juste de les accueillir de notre côté, faire comme elle. Bien, c'est correct. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gauchistes, par exemple, qui sont des, des professionnels narcissiques puis c'est du monde qui, sont, euh, qui font de la projection en journée longue. La raison pourquoi, mettons, c'est les premiers qui vont dire « Moi, je suis un male féministe. » Il y en a qui vont dire « Moi, je suis pro-avortement. » La de plupart de des gauchistes ça. qui disent « Moi, je suis pro-avortement. Je suis pro aussi je suis pro-ça. Pro » C'est parce que, justement, c'est du monde qui ne prend pas la responsabilité. Mm -hmm. Moi, je veux dire, moi, je suis contre l'avortement si, parce que, justement, si je mettrais une fille enceinte, je prendrais mes calices de responsabilité mm -hmm. puis moi, je veux juste pas qu'un être... Euh, euh, innocent, euh, innocent, il y a subi, ça. ça, mais c'est ça, mais, rien mais, mais plusieurs autres choses, c'est comme quand je regarde justement, euh, j'ai eu des amis de d'extrême de, de, gauche toute ma vie. Puis je, dans une cette conversation privée, je trouve que c'est les pires misogynes, de, la vraie misogynie. Même. Je trouve que c'est le monde qui ont le moins d'émotions, le les plus méchants, ouais. les plus viles. moins d'émotions. De, 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 oui, non, de, de, emotional intelligence. Intelligence, de intelligence émotionnelle. Excusez-moi, mon cerveau était plugué en anglais. Puis c'est le monde justement qui vont tout le temps, euh, ils vont backer, mettons, les féministes, le droit des femmes, tout ça, parce que justement c'est le monde qui agit le plus en trou de cul avec les femmes. Mm -hmm. Puis la COVID, c'est un petit peu la même affaire. Quand c'est arrivé, puis là, ils ont fait comme mets ton masque, fais ci, fais ci, fais ça. C'est justement le monde qui sont les moins en santé. Global, là, Globalement. Globalement, qui s'entraînent le moins, puis tout ça, puis ils sont comme il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ça, puis en fait, c'est juste la projection pour nous autres qui vont au gym. On est plus en santé, on a un meilleur système immunitaire puis tout ça. Ils veulent te rabaisser pour soin se remonter, de nous. Là. On prend soin de nous, autres, puis tu sais, c'est eux autres, en fait, c'est comme non, 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 ouais, tu vas faire comme moi, puis tu vas aller mettre ton masque, tu vas aller te faire vacciner. Même si tu es en santé, je m'en calisse, là, tu vas mettre En enfin, fait, c'est moi, je me soumets, donc je ne veux pas voir Exactement. ta rébellion. Tu dois te soumettre si comme moi, je me Moi, c'est quand on m'a dit on le fait pour l'équipe, J'étais genre Arc, il y a, a d'autres choses. Tu vas pouvoir me closer qu'une phrase complètement ouais. différente de celle-là, c'est sûr et certain. Ah, hein. et On le fait pour l'équipe. Je ne suis pas dans ton équipe. De toute façon, que le monde est d'avoir vraiment pensé que le, la vaccination, c'était le seul moyen. Pour vaincre cette pseudo-pandémie-là. Tu vois bien que tu es, 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 es le meilleur, tu es le pusher, tu es genre le sales rep pour les compagnies pharmaceutiques Exactement. indirectement. Ouais. Puis tu fais pas une petite de là-dessus en non, plus. tu même pas payé. D'ailleurs, <laughs> Ça crame. Tu portais-tu, toi, le masque pendant la COVID? Il y a eu un temps où, est-ce que justement, c'était forcé. Puis tout, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je sois comme j'ai pas à, à subir ou à me soumettre de cette façon-là, fait que je l'avais enlevé. Puis, euh, quand je me fais arrêter dans les magasins ou à l'épicerie, puis tout ça, tu as tout le temps quelqu'un qui te stoule. Ah, puis, à un moment si donné, j'étais comme, bien, j'ai une condition médicale. Fait ça la aussi, c'était la même. Ouais, même. J'ai fait la même. J'ai fait ah, la leur yacht ouais, avec Oui, mais ça, je tout me suis déjà fait poser la question à savoir c'était quoi ma condition médicale. C'est privé. Fait, ben Tu Bien, t'aimes-tu l'anal? C'est pas tes calluses d'affaires. Oui, mais moi, ça, ça, ça a fonctionné la raison, l'excuse la condition médicale, c'était. ouais bonheur. puis je vais l'utiliser enfin, à bon escient encore une fois si, si ça, ça revient. revient là. Ouais. Ou quand ouais, ouais. ça revient. parce Exact. Que... Je m'étais même fait faire un bracelet, moi, condition médicale, l'air encore. C'est-tu <laughs> un... Un, vrai un vrai vrai <laughs> ah, C'est un, un vrai ben, J'ai une condition, condition médicale. médicale. <laughs> oui, mais c'est ça, c'est que tu si as la loi sur euh, la protection des renseignements personnels de 2004 qui il fait, il fait en sorte qu'ils n'ont pas le droit de te poser cette question-là de toute manière. Fait que alors, tant que tu connaissais tes droits, c'était le moment pendant la COVID d'apprendre nos droits. Ouais. Ouais, je pense qu'on a échoué lamentablement comme société pendant la COVID. Ça a été un test de soumission et d'obéissance. Euh, on a prouvé, surtout au Québec, qu'on était des astides demeurés, de soumis, de paysans ouais. de québécois. Québécois. Hey, J'en revenais pas juste à repenser à ça, ça me fait capoter, ouais. man. Ouais. Le... Si on parle de la société en général, moi j'ai pas mis un colis de masque une seule fois, man. Moi, il a vra fallait vraiment que, moi, il était sur le bord de me kick out du magasin, il était quatre sur moi au, euh, c'était au Provigo à un moment donné, j'étais comme, ah, ok, je vais <laughs> le mettre ton assassin ouais. de masse, merde. <laughs> Pis euh, ouais, mais sinon là, jamais je l'ai mis. En fait, non, j'étais parti de ce commerce-là. Vous voulez vraiment faire votre petite gestapo, là, je décale, là, je vais aller acheter mon épicerie ailleurs. Ah, Il n'y a, je jamais pas, une, dans a, y a épicerie, pas un petit commis de 16 ans qui va me demander de me soumettre à lui. Ça, c'est une autre <laughs> affaire, ça. Tu sais, quand on parle de la psychologie de la patente, là, tu donnes le pouvoir à du monde qui ont jamais eu de pouvoir. Des petits kids de 16-17 ans. De jouer tu à leur la police. donnes finalement le pouvoir d'être la police du masque assis que ça a été les plus horribles des petits. Crise de comportement. Hey. Euh, J'en aurais slogan coupe, man. <laughs> Mais c'est fou, tu vois-tu leur effet de pouvoir que ça a fait? Ça a fait en sorte qu'ils ont, ils ont se pensent tellement sur un piédestal qu'ils sont complètement soumis aux ordres. Fait qu'ils vont tout faire justement pour avoir encore plus. De... C'est vrai, hein? c'est pas fou ce que tu dis là. Ouais. Je pense Justice que tu as du Warrior. pouvoir, mais tu t'obéis aux ordres. Tu obéis aux ordres, ah, suprêmes, obéis aux autre, autres, autre fait histoire. que tu vas tout aller faire, justement, qu'est-ce que tu as ouais. à faire comme une bonne personne soumise pour qu'ils soient fiers de toi et qu'ils t'accordent d'autres tâches. Tu es encore plus soumise. Ah, c'est épouvantable. Puis à mon là doit avoir un pognon, si débarque, pareil, mais... à... de leur avoir donné ce pouvoir-là. Puis ouais, après ça, plus rien. Ça, man, c'est le manque de testostérone dans la société. Ça, c'est voulu, man. Ouais. Ouais. Qu plus... Moi, que t'as de testostérone, moins qu'il va y avoir de protecteurs de la société, qui sont les hommes forts, puis plus que dans le fond, le monde va se soumettre, puis vont faire ça. Parce clair, que la faut... vraie testostérone, puis le, le vrai, la vraie énergie masculine, c'est, j'ai une force, je pourrais te dévisser ça à la tête, je... mais je choisis de ne pas le faire, puis de, ouais. de prendre la situation d'un autre angle. J'ai de... une question pour vous. Une femme, justement, qui n'est pas pliée à ça, à mettre le masque, puis tout ça. Est-ce que ça fait d'elle une femme non soumise ou une femme soumise? Comment vous le voyez? C'est une très bonne question. C est, c est, je vais posée, en fait, la question. C'est une très bonne question, en fait. Puis oui, c'est sûr que, maintenant tu regardes les films, les filles qui ont des podcasts. Euh, c'est quoi son nom, Yannine, là, que je suis beaucoup, puis je l'adorais. Euh... Ah, je m'en souviens plus, anyways. Mais tu vois que ces filles-là ont quand même une énergie masculine, malgré tout. Tu, tu les vois, genre, que c'est des protecteurs de la société, puis tout ça, puis on, ils ont un rôle à jouer. Là. Genre, on en connaît beaucoup des femmes comme ça, puis moi, je les applaudis. Là. Euh, Amélie, le... ça se peut-tu, Amélie, à, quelque chose? Amélie Paul. Mm. Amélie Paul. Mais tu parles quand il y a une différence entre s'afficher aussi publiquement ouais. puis d'être comme nous, on le fait. Ça, ça serait être dans son énergie mais, masculine. Mais juste finir mon point, c'est ça la distinction, c'est que. Tu sais, comme moi, ma copine, elle n'a rien suivi de tout ça. Mais elle c'est la fille la plus féminine que tu as jamais rencontrée de ta vie. Ouais. Mais elle, a fait juste pas le faire parce qu'elle fait juste... Tu sais, elle y pense pas à deux fois. Ça. Juste, non, ouais. moi, ça fait pas mon affaire. Moi, je fais juste pas y aller. Pis, ouais. Elle ne ouais. pas. Elle n'est pas vocale à propos de ça publiquement, puis tout. Puis, tu sais... C'est le je bon que, sens. Tu exact. Puis moi, il y a une différence aussi. Puis moi, pour répondre à ta question, c'est... Moi, je veux une femme soumise, mais soumise à moi, pas une femme soumise au gouvernement. Right. Mm -hmm. Fait que ça dépend, c'est quel type de soumission puis à qui. Mais c'est parce que ton rôle de protecteur. Dans le fond, moi, ma blonde, si mettons euh, ils refont une autre campagne de vaccination puis tout ça, je sais qu'elle va pas se faire vacciner, mais c'est parce qu'elle me fait confiance, parce que c'est moi qui la protège. Puis protéger, c'est pas juste physique, c'est aussi la protéger de compagnies pharmaceutiques, du narratif, du gouvernement, whatever. Là. Mm -hmm. Fait que un piège intellectuel, ouais. psychologique ouais. que j'aurais peut-être pas vu ça sous cet angle. -là. Mais c'est sûr que les femmes en général qui ont des podcasts puis qui parlent comme nous autres puis tout ça, veut, veut pas sont dans une énergie masculine, mais je pense que c'est possible d'avoir une énergie masculine pour aider la société, d'avoir une switch que tu m'a puis quand tu arrives chez toi, you take off your coat, your masculine energy puis là tu te mets à ta féminité. Ben oui, parce que pour tra mais moi je pense que pour travailler justement tu as besoin d'avoir une énergie masculine. Les femmes qui sont sur le marché du travail pour être une go getter pour ramener un salaire. Moi je pense qu'elle peut pas mettre la switch à off par exemple. C'est là que je diverge. C'est soit tu une go -ga. Tu penses vraiment que le stress s'en va le, du travail? Là, tu assaultes oh, 10 heures par jour au travail dans un bureau d'avocat. Tu en compétition avec d'autres hommes. C'est super compétitif. Puis là, tu arrives à la maison. Bonjour chérie, voilà ton souper. Ah, oh, je t'ai fait un deuxième souper parce que je savais pas quest ce que tu voulais manger. c'est tu sais, premièrement, elle a pas le temps. Puis deuxièmement, euh, d'après moi, tu peux pas. Je pense que c'est très voiture. rare le monde ouais. qui peut le faire, mais je pense qu'il y en a qui tu ont le Tu Ça, c'est comme justement vouloir un homme masculin euh, ouais, ouais. juste euh, 50 du temps, mais qui se mette à quatre pattes pour faire les torches ménagères. Euh. 50-50, ou de pas vouloir qu que tu veuilles arrêter de poster des. De vouloir qu'il soit une hostie de gorée, mais que non, non, il m'empêchera pas de poser des photos de mon cul sur Internet. Mais ben justement, il y a une fille, puis c'est une française, là pis elle est rendue super populaire, justement, parce elle se fait traiter de pique-mille, puis de misogyne, elle aussi, une française est super euh, belle. Oui. La petite blonde. blonde euh, ouais. Elle s'est ouais. fait demander, genre, justement, il y a une question au piège, l'intervieweur, il a dit écoute, si maintenant, genre, tu trouverais homme, ton homme idéal, ton 10 sur 10, là, tu as ton podcast, puis tu parles beaucoup, tout ça, est-ce que tu fermerais tes réseaux tout ça pis elle dit oui. Ça vaut 100. Fait Il y en a, moi, je pense, qui sont capables et qui ont juste un rôle à jouer en ce moment dans la société. Puis, veut, veut pas, ça n'en prend des voix féminines. Parce que du monde comme nous autres, là, souvent, on est vu comme misogyne, les femmes ne veulent pas, rien savoir, elles ne veulent pas nous écouter. Mais ça en prend des voix féminines qui pensent des podcasts, des même les nous. mêmes affaires, comme Myriam qui est venue justement sur notre podcast l'autre jour. Elle pense comme nous. Elle pense comme nous, ça, ça en prend. Ouais. Mais c'est sûr que quand le travail va être fait, moi, je pense que c'est important aussi de faire un travail dans le subconscient, de fermer son énergie masculine, de faire comme OK, it's Done, I found my man. Ouais, mais c'est aussi de faire la différence puis la distinction avec un homme qui est contre contrôlant puis qui est narcissique. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai déjà été dans des relations vraiment toxiques, justement, avec des pervers contrôlants narcissiques. C'est quoi être okay. contrôlant pour toi? Bien, être contrôlant, c'est plus, euh, j'aime quelqu'un, mettons, qui va prendre les, les choses en charge. Parce que la ligne est mince, tu là où, où, où est-ce que je veux aller? Là? Ouais, je c est c est Parce que son leadership, il est focusé sur lui et toi en même temps. Il est focusé sur ton bonheur à toi. C'est ça, quelqu'un qui a un bon leadership, j'en parlais tantôt. Quand tu as un bon leadership, la femme, la, la femme peut se soumettre aisément. Parce qu'elle fait confiance, parce qu'elle sait que le gars, dans le fond, va prendre une décision qui va aller dans son avantage à elle. Mm -hmm. Mais quand le gars, il est narcissique contre lui, c'est tout son avantage, tout à, lui. Son avantage ouais. à lui. C est, c est ça, ça a été ça le problème. Non, il s'en il s'aime, moi. Ben, c'est ça, est il ça, il ça aimait la différence. Il n'aimait pas. Tout ce qu'il voulait, c'était me voir souffrir le plus possible. Ben, et, voilà. Ben, ça, la, et voilà la différence entre le pervers narcissique et l'homme masculin qui est dans sa masculinité. C'est exactement ça. C'est ben parce que tu as les nice guys, j'en parle souvent. Tu as les nice guys que tu ne veux pas sortir avec un nice guy, c'est un il va, a people pleaser. Mm -hmm. Puis tu vas finir d'indéir majeur. Tu as l'autre barre, tu as le narcissique, le pervers narcissique, que les, souvent les femmes sont très intéressées parce que sexuellement, ils sont market value et quand même haut. Puis dans, dans le milieu, tu as juste le good man. Le good man », dans le fond, il veut juste dans le fond, il veut que la femme se soumette à lui, mais dans le fond, c'est pour son bien à elle parce que il veut la protéger. Ouais. C'est important. C'est ça la distinction. sur celles qui nous haïssent, c'est ça qu'elles comprennent bon, pas, mais elles ont un cerveau comme tout le monde. Tu sais, on à force de répéter. Trois fois, dix fois, quinze fois, peut-être que. C'est parce que ça pas toutes clair. les femmes qui ont un cerveau cartésien. Ceux-là qui l'ont sont choyés, en fait. Là. Mais il n'y a pas toutes les femmes qui ont un cerveau cartésien, ça sont tellement émotionnelles qu'il y a moindrement qu'ils vont entendre un mot. Comme comme, soumission. Dire, extrême droite. Soumission. Complotistes, c'est des mots trigger pour eux autres. Fait qu'ils entendent ça, ils entendent pas le reste. Là. Ils ouais. entendent juste ça. Puis c'est pas pour rien non plus, je pense, qu'on a vraiment enlevé puis diabolisé le leadership de l'homme au foyer. Mm -hmm. Parce que la femme, elle a besoin de su suivre un leadership. C'est crissement bien pensé leur affaire, man. Écoute ça. Ils ont voulu enlever puis diaboliser l'homme à la maison parce que la femme, se retrouvant sans leadership, elle va suivre le leadership de qui maintenant le ouais. gouvernement. Mmh. Fait qu'elle va te faire vacciner, mettons Vanguard, tu fais ça. Street. Puis, si toi, tu te dis non, chérie, on ira pas se faire vacciner, je pense que c'est pas bon pour nous, puis les enfants. Non, mais le gouvernement, il a dit que c'était bon, puis 50-50, puis tu es misogyne, puis. Enfin, oh, c'est tout ça. calculé, man. C des, on, on appelle ça des. Ils font de l'ingénierie sociale. Ouais, le terme existe carrément. Là. Ils connaissent mieux les humains qu'on se connaît nous-mêmes. C'est une guerre mondiale de mental. C'est oui, oui. ça qu'on a vécu, oui. là. Ouais. Est... On est des esclaves mentales. Avant, c'était des esclaves physiques dans le temps des, des Égyptiens, mm -hmm. puis même après. Puis aujourd'hui, bon, on est des esclaves mentales. On est bien à être soumis et à se faire enculer par un... Mais sans le on exclut les personnes qui parlent ici parce que Exactement. nous, c'est pas sans notre cas. Sans vaseline. <laughs> Donc, est-ce que... Un euh, petit mot pour la fin. ça fut très plaisant comme discussion. Donc, Christina, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux à Christina Bloomers. Bloomers, qui est également mon podcast. B-L-O-O-M-H-E-R-S. Vous pouvez me trouver également sur TikTok. Beaucoup moins actif depuis euh, la, les deux dernières années en étant au Mexique, euh, le VPN ça fonctionne pas pour cet appel malheureusement, euh, fait que pour TikTok, hein. Ouais. ouais. On a essayé parce qu'on est en train d'engager du monde qui vont s'occuper de nos réseaux sociaux plus, plus loin. Puis là, je suis comme, même oh, on va créer des comptes avec VPN. Non. Ouh, ça marche VPN, pas ça fonctionne tu pas. Tu peux la même seule pas chose... uploader de vidéo, ils ferment tout de suite ton compte. Ouais, on a la, essayé ça. La seule chose surpris. qui va fonctionner et qui va être détectée dans le fond dans ton secteur, c'est la carte SIM que tu vas avoir à l'intérieur de ton téléphone. Pour ouais, avec le téléphone, ça ouais. pourrait marcher. Ouais. Exactement. Donc, euh, mais TikTok va revenir aussi, mais Instagram, c'est vraiment ma plateforme principale. Que, que j'utilise. Puis mon podcast est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. Ben, merci beaucoup euh, d'être venu aujourd'hui. Ça a été un merci plaisir. Merci les gars. Ça a de été, de été vraiment enrichissant. Et très drôle. Merci. Ouais, <laughs> yes. Fait que, ben, et merci à toi d'avoir été là pour euh, un autre épisode de Lucide Podcast. Puis on se voit la prochaine fois, man. Ciao. Catch you on the flip side. Oh. Oh.